Message du 16 octobre, tout pour qu'il règne, Oswald Chambeur, comprendre les ordres du maître. Matthieu, chapitre 9, verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La clé du problème missionnaire est entre les mains de Dieu. Et cette clé, c'est la prière et non l'action. Du moins, pas l'action au sens où on entend communément ce mot de nos jours, car il implique une sorte d'évasion, par laquelle on néglige la communion avec Dieu. La réponse au problème missionnaire n'est pas la solution du bon sens, ni le secours médical, ni la civilisation, ou l'éducation, ni même l'évangélisation. La réponse, c'est la prière. Priez donc le maître de la moisson. Pour l'homme naturel, la prière n'est pas rentable, c'est une absurdité. Il faut bien reconnaître en effet que du point de vue du sens commun, prier est stupide. Dans l'optique de Jésus-Christ, il n'y a pas diverses nations, il y a le monde. Savons-nous, nous aussi, nous élever au-dessus de toutes les distinctions qui séparent les hommes, les uns des autres, et nous attachent à une seule personne ? Jésus-Christ lui-même, il est le maître de cette moisson, produite par les détresses et la conviction de péché. Et c'est dans cette moisson-là que nous devons demander que des ouvriers soient envoyés. Nous sommes absorbés par diverses activités, alors que les gens autour de nous sont prêts à être moissonnés. Nous n'en récoltons pas un seul, et nous gaspillons en activité fébrile le temps que Dieu nous donne. Supposez qu'il se produise chez votre père ou chez votre frère une crise spirituelle salutaire. Êtes-vous prêt à servir d'ouvrier dans cette moisson de Jésus-Christ ? Oh, direz-vous, j'ai un travail particulier à faire. Aucun chrétien n'a le droit d'avoir un travail particulier. Un chrétien est appelé à appartenir à Jésus, à le servir et non à lui dicter ce qu'il doit faire. Le Seigneur ne nous appelle pas à une tâche spéciale. Il nous appelle à lui. Priez donc le maître de la moisson. Il dirigera lui-même les circonstances de votre vie et vous enverra dans sa moisson. Le Fils de Dieu voudrait entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui la vie entière, ton esprit plein de lumière, descendra sur toi et te guérira. Jésus, en
Mets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Donne-lui tes larmes, tes pleurs. Donne-lui